Je suis en colère d'avoir donné jusqu'au matin du 8-9 janvier du poison à mes enfants. Jean-Charles Blanchet est en colère contre l'hypermarché Leclerc des Angles. Le père de jumeaux, Romy Eliam, de 25 mois, a acheté au Drive le 29 décembre 2 boîtes de lait Milumel, groupe Lactalis. Pour le père de famille, pas de problème, puisque les lots contaminés à la salmonelle ont été enlevés des rayons le 21 décembre dernier. Erreur. C'est une erreur humaine. Mais ça n'excuse en rien ce problème. Pour moi, c'est l'inexécution du retrait d'un rappel de produit. Et ça, c'est une faute lourde, quoi. Conséquence de l'erreur du distributeur, les jumeaux tombent malades dès le 30 décembre. Toux et vomissements. Le médecin ne diagnostique pas de suite une gastro-entérite due à l'ingestion de salmonelle. C'est en écoutant Michel-Édouard Leclerc aux informations, annonçant que plusieurs magasins ont commercialisé des lots contaminés, qu'il fait le rapprochement. On a arrêté le lait, donc déjà forcément les symptômes sont moins présents. J'espère qu'ils vont mieux. Maintenant, ils ne sont pas encore guéris. Jean-Charles Blanchet et son épouse ont porté plainte contre le groupe Lactalis et se réservent le droit de déposer une plainte contre le magasin Leclerc des Angles.